finalement, ce trophée des territoires, c'est quoi? Eh bien, c'est une célébration de la résilience. Donc, tout cela pour vous dire à quel point nous sommes ravis de vous accueillir en ce haut lieu très symbolique. Alors, qui dit cérémonie, dit discours. Et de ce fait-là, je vais céder la parole à monsieur Jean-Philippe Delbonnel, président du groupe Delvaux Presse, pour vous dire, avec des mots peut-être plus intelligibles que les miens, tout le plaisir que nous avons à vous accueillir en ce lieu et aujourd'hui. Monsieur Jean-Philippe Delbonnel. Je peux vous rajouter une question supplémentaire, Charline. Mesdames et messieurs les présidents, mesdames et messieurs les maires, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs les cadres territoriaux, mesdames et messieurs les chefs d'entreprise, mesdames et messieurs en vos grades et qualités. En préparant ce discours, je me suis souvenu de chacun de vos projets, de vos idées et de vos audaces. Lors de nos premiers échanges, il y a un an, nous avions un rêve, une volonté, une idée, récompenser celles et ceux qui agissent pour le bien public. Décentraliser, si on en croit le droit positif, l'échelon local est trop souvent privé de ses moyens d'action. Ceux qui s'engagent pour nos territoires demeurent les grands oubliés de notre temps. Et pourtant, nous sommes convaincus que l'innovation, la créativité, le dynamisme viennent du terrain. C'est dans nos territoires que se forge et que s'invente l'avenir. Vous êtes ces innovateurs, vous êtes ces créateurs dont la France a tant besoin. La France traverse une période délicate de sa longue histoire. Elle a déjà surmonté 1000 épreuves. Elle surmontera celle-ci grâce à notre énergie, notre intelligence et nos initiatives. Nos territoires nous ont appris la peine des hommes, leur courage, leur patience, leur dignité, mais aussi leur espérance. Et si dans les moments difficiles que nous vivons, c'est grâce à eux, c'est grâce à vous que nous pouvons trouver collectivement fidélité, affection et réconfort, nous retrouverons aussi les moments de joie. Trophée des territoires est né d'une volonté forte, d'une ambition partagée et d'un amour viscéral de nos communes qui font la fierté de la France. Aujourd'hui, nous allons récompenser les acteurs qui participent au rayonnement de nos collectivités locales. Au cours de cette convention, vous allez découvrir les projets d'hommes et des femmes dévoués à nos communes. Vous allez découvrir des élus de terrain engagés dans leurs communes au service de nos citoyens, des chefs d'entreprise, créateurs d'emplois, générateurs de richesses pour l'ensemble de nos communes. Et ces initiatives, vous allez les découvrir, elles sont tout type, défense de l'environnement, réhabilitation d'ouvrages à l'abandon, digitalisation, promotion des arts et des lettres, soutien à la jeunesse et bien plus encore. Certains même d'entre vous ont le courage et l'audace de faire plus de 10 000 km pour être avec nous ce jour, qu'ils en soient vivement remerciés. Alors mes chers amis, pour conclure, vous venez des quatre coins de notre belle France, du Nord et du Sud, de l'Est et de l'Ouest, vous êtes des présidents de régions, de départements, des présidents de métropoles, d'agglomérations, de communautés de communes, des maires, des élus, des cadres territoriaux, des chefs d'entreprise, vous êtes de gauche, vous êtes de droite, vous êtes d'ailleurs, vous êtes de nos, de vos territoires, et vous avez toutes et tous un dénominateur commun, et nous réunit ce jour, c'est la passion de vos territoires et l'engagement pour notre République. Aussi, permettez-moi de conclure ainsi, pour que vivent nos territoires, vive la République et vive la France. Merci.